Alors. Le récap d'aujourd'hui sera sur les articulations synoviales. Les articulations synoviales, c'est une articulation mobile enveloppée d'une capsule articulaire qui comporte une cavité articulaire limitée par une membrane synoviale et par des extrémités osseuses recouvertes de cartilage articulaire. Alors cette partie nous dit que l'articulation synoviale, tout simplement composée de quatre principaux parties qui sont la capsule articulaire, la cavité articulaire, le membrane synovial et le cartilage articulaire. Pour, caps pour la capsule articulaire, c'est une enveloppe fibreuse et élastique entourant les articulations synoviales qui permet de maintenir en contact les surfaces articulaires des os et d'en assurer la stabilité. C'est-à-dire que la capsule articulaire, c'est un enveloppe de l'articulation. Sa mission est d'assurer le contact des surfaces articulaires et assurer la stabilité de l'articulation. Alors, pour la, pour la cavité articulaire, c'est un espace situé à l'intérieur de la capsule articulaire et délimité par la membrane synoviale et les cartilages articulaires contigues. Alors, la cavité articulaire, tout simplement, représente avec l'espace entre les deux os. Même, elle contient elle de clés liquides sy pour les liquides synoviales. Pour la membrane synoviale, c'est une membrane serreuse, mince et transparente qui tapisse la face interne de la capsule articulaire des articulations synoviales. Alors, la membrane, un mem de la membrane synoviale, c'est un membrane qui tapisse l'intérieur de la capsule articulaire. Pour le cartilage yalant, où le cartilage articulaire, est un cart c est, c est, il est lisse, recouvrant les surfaces articulaires des os et assurant le glissement entre les pièces osseuses, des articulations mobiles, ainsi que la répartition de pression. Alors, le cartilage allant assurait le glissement, même aussi assure le mouvement de l'articulation. Alors, les articulations synoviales ou diarthroses, elles représentent trois caractéristiques. La première, elles possèdent des surfaces articulaires indépendantes l'une de l'autre. C'est-à-dire que cette partie, euh, alors, cette partie nous dit que l'articulation synoviale composée par des, par des surfaces articulaires indépendantes. Euh, la deuxième, elles ont, elles ont, euh, elles ont des moyens d'union une capsule et des ligaments à la périphérie des surfaces articulaires. C'est-à-dire que ces surfaces articulaires rassemblent par la capsule et par les ligaments. Alors, troisièmement, les cavités articulaires sont tapissées d'une membrane synoviale. Euh, tout simplement, c'est que la membrane tapisse la cavité, comme déjà dit. Alors, toutes les articulations lubrifiées par la synovie. Que sécrète la membrane synoviale tapissant la face interne de la capsule articulaire est une articulation synoviale. Tout simplement, euh, cette partie nous dit que, que toute articulation contient la synovie c'est une articulation synoviale. La forme des surfaces articulaires et la, pro, et la disposition des attaches de la capsule et des ligaments conditionnent les possibilités et l'amplitude de mouvement d'une articulation de ce type c'est-à-dire que la forme des surfaces c'est-à-dire que toute articulation contient une envie. Alors c'est-à-dire que que la forme des surfaces et leur disposition déterminent l'amplitude de mouvement Classification des articulations synoviales. Elle est basée sur la forme de la surface articulaire des articulations qui engendrent des mouvements différents. La classification des articulations synoviales se fait par la forme des surfaces articulaires euh, et ensuite pour faire des pour des pour, et ensuite pour faire des différents mouvements. Pour l'articulation euh, euh, troclénée, il y a euh, pour l'articulation euh, troclénée, aula, jingline ou charnière ou angulaire, euh, dans cette articulation, la surface convexe d'un os s'ajuste dans la surface concave d'un autre os, ce qui permet des mouvements d'ouverture de, et, de et de fermeture dans un, axe, euh, dans, un, dans un seul axe. Comme exemple, l'articulation du coude ou du genou. C'est-à-dire que l'articulation troclénée, euh, euh, il, a deux, il a deux surfaces euh, l'une concave et l'autre convexe et pour mouvement mouvements euh, se fait dans un seul axe euh, par l'ouverture et, et la fermeture pour l'articulation euh, trochuïde ou euh, cylindrique pour l'articulation ou, ou cylindrique la surface arrondie d'un os s'adapte à un anneau formé par un autre os et un ligament pour assurer des mouvements de rotation autour d'un axe longitudinal uniquement. Alors, cette, cette, cette articulation, on prend comme exemple euh, le cou, ou et le, euh, le cou. On prend comme exemple le cou, Aula, le radius cubitus par l'articulation radio-ulnaire. Euh, pour la surface, il est arrondi et le mouvement, euh, et le mouvement de pivotement autour d'un axe longitudinal. L'articulation plane. Les surfaces articulaires sont plates et permettent des mouvements de glissement. Alors, l'articulation plate aula arthrodie, On prend comme exemple euh, le carpe et le tarse. Euh, les surfaces sont plates et le mouvement, euh, c'est de glissement. L'articulation sphéroïde aula la enarthrose. Les deux surfaces articulaires sont, sphéri sont sphériques. L'une est convexe et l'autre plus profond concave, qu ce qui permet le mouvement dans trois axes et dans tous les plans. Alors, l'articulation sphéroïde, on prend comme exemple l'épaule par l'articulation scapulo-humérale ou la hanche par l'articulation coxofumérale. Il a deux surfaces, l'une convexe et l'autre concave, et le mouvement euh, se fait dans tous les plans. Pour l'articulation en celles, Solaire ou par emboîtement réciproque, la surface articulaire en forme de sel d'un os est achevée par la surface articulaire de l'autre. Alors l'articulation de deux sel, on prend comme exemple le pouce par le, par l'articulation trapézo métacarpien Il a deux il a deux surfaces concaves. Il a deux surfaces concaves. Euh, il a deux surfaces concaves. Viennent concav s'emboîter perpendiculairement pour les mouvements euh, faits dans euh, dans deux degrés de liberté. Alors, euh, la, dernière, la dernière articulation, c'est l'articulation condylaire. L'articulation condylaire, aula euh, la surface con, euh, la La surface convexe et ovale d'un os s'adapte à la cavité concave, également ovale d'un autre os, ce qui permet de mouvement sur les deux axes. Alors, euh, l'articulation condylaire, on prend comme exemple l'articulation de la cheville euh, et le poignet par l'articulation radio euh, radiocarpienne, il a deux surfaces, l'une convexe et ovale, et l'autre concave et aussi ovale, pour le mouvement euh, fait sur, sur les deux axes. Merci. Alors, ce schéma, ce schéma euh, présente, présente euh, les, différents, les différents types d'articulations. On a premièrement l'articulation charnière, euh, charnière, qui est, qu est, qu est la coude. Euh, euh, les deux surfaces qui confieront l'humérus et le cubitus. La deuxième, la deuxième articulation, c'est l'articulation pivot, euh, -ce qui confie la jambe, qui confie le, le, le père en nez et le tibia, ou qui confiera la rotation. Uh, la rotation, rouler le pivotement autour, autour d'un uh, axe longitudinal. Pour l'articulation sphérique, euh, pour l'articulation sphérique, il y a les l'épaule qui confiera l'homoplate et l'humérus ou qui confiera euh, le mouvement autour d'un autour d'un plan ou qui confiera qui, qui le mouvement sur tous les plans ou qui confiera qui confiera, ça fait sur tous les plans. Pour l'articulation ellipsoïdale Qu'est-ce qu'on a dans le poignet qui irréduira le radius, le simulunaire et, euh, et le scaphoïde? Qu'est-ce a deux têtes concaves qui viennent s'emboîter perpendiculairement? a deux degrés de liberté? Pour l'articulation à, à glissement, qu'est-ce qu'on a dans la tasse qui irréduira le scaphoïde? Le premier euh, cuneiforme et le deuxième cuneiforme ou le lit qu'est-ce qu'on a le glissement? Ou qui a une trente degrés de liberté pour l'articulation en selle qui confie et qu'est-ce qu'on a le pouce ou l'écarter de faire trapèze et le métacarpien c'est l'articulation trapézo-métacarpien l'articulation trapézo-métacarpien tra ou les qui a une trente-deux degrés de liberté